Hi girls, I got you. I'ma keep it real, I'm being honest. Hey. You can be my baby mama. Yeah. You never ever broke a promise. Plus you treat me like Obama. Yeah. I'm always gonna be on the road, so I'm never worried about. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une vidéo vlog dans laquelle je vais essayer de poser ma perruque. Donc j'ai reçu une perruque qui m'a l'air vraiment parfaite pour les poses de débutants et je me considère comme débutante. Même si ça fait un an que je porte des perruques, faut savoir que moi, certains savent que les poses de perruques c'est pas trop mon fort. C'est plus une question de flemme en fait. Déjà faut avoir la technique, mais pour avoir la technique faut avoir l'entraînement. Enfin vous allez voir, là je vais tout vous montrer vraiment ce que tu dois faire si tu veux vraiment que ta perruque elle soit naturelle as fuck. Aujourd'hui on va tester. Donc faut savoir que ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo et hier en fait j'avais commencé à la tourner, j'avais réussi à faire le bonnet là, vous savez là quand tu colles et qu'on dirait que t'es chauve, j'avais réussi à le faire donc je suis contente parce que c'était la première fois après au moins 5 essais. Bon. Donc aujourd'hui on va faire ça les gars, là j'ai fait un bête de make-up et please give me a like for that, you know. Donc les gars, j'ai trop hâte de faire cette vidéo, même si je suis en train de la faire là, mais j'ai trop hâte d'être dans l'application, dans le... J'ai trop hâte de mettre ma perruque en fait. Let's get started. Du coup, tous les tutos que j'ai pu regarder, je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez le truc original. J'ai noté toutes les étapes sur mon ordinateur, comme ça là vraiment, c'est pas du bullshit. Je vais tout respecter, toutes les micro-étapes là, je vais respecter, parce que c'est ça que je fais pas en fait. Chaque chose est importante. J'ai la perruque à mes côtés. C'est une perruque qui me vient de chez XRS Beauty. C'est une perruque vraiment bien pour les débutants. La fameuse Clear Lace que XRS Beauty a sorti récemment. Je vous ai fait le comparatif d'une lace HD Lace normale avec leur lace à eux. Et vous allez voir que vraiment c'est... La diff elle est là tu vois. Elle est déjà customisée donc vous pouvez voir que sur ma main ça fait ultra naturel. Mais je crois que les nœuds ne sont pas décolorés. Enfin on dirait qu'ils sont décolorés en fait mais pas bien bien bien. Donc voilà, c'est avec cette perruque que nous allons travailler. C'est du 20 pouces. Faut savoir que eux vraiment c'est les meilleurs en termes de packaging. Parce que déjà j'ai reçu ça dans un packaging comme ceci. Genre vraiment on dirait un truc premium, on dirait un truc de luxe, j'aime trop. Ils m'avaient bien emballé ça avec un ruban rouge là, un petit nœud et tout, c'était trop mignon. First things first, je vais plaquer mes cheveux en arrière. Donc got to be plus brosse plaquante. Que j'ai fait ça, je vais mettre le bonnet jusqu'en dessous des oreilles, là jusqu'à là je commence à connaître. Ok, donc là j'ai fait un petit trou comme ça et mon oreille faut qu'elle passe dedans. Parfait, l'autre côté. Et ensuite la meuf ce qu'elle fait dans le tuto c'est que elle coupe juste ici. Ok, maintenant on va passer à la colle. Donc là la colle, je prends ma got to be et je vais sécher avec le sèche-cheveux. Jusqu'à là, rien de compliqué. Juste à la suite, attendez-vous à avoir un flashback d'hier parce que j'ai perdu la partie où je faisais le découpage du bonnet. Alors les amis, maintenant la technique c'est quoi? C'est que il faut que je coupe. Je commence par là. J'espère que ça colle. J'ai oublié de mettre de la colle ici, c'est grave. Heureusement que j'ai un gros front, comme ça il y a de la place. Hein. Donc là, faut savoir que la différence entre cette routine là et ma routine d'habitude, pour ceux qui se connaissent pas en perruque, c'est que d'habitude je mets juste le bonnet quoi. Je mets juste le bonnet normalement et voilà, c'est tout. Bye bye. Je fais pas tout ça, tu vois. Genre, je fais pas la colle, tout ça. Ok, bon, avant de remettre de la colle là aux extrémités, faut que ça fasse genre je suis chauve. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer la perruque. Je vais essayer la perruque pour voir à quel moment je vais la faire arrêter. Ok, 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 ok. Bon. Alors je continue. Alors là vous avez raté plusieurs étapes. Donc ce que j'ai fait c'est que dès que j'ai fini de couper le bonnet, j'ai recollé les petits morceaux devant qui ne collaient pas. Ensuite j'ai rajouté du fond de teint sur le bonnet et sur la lace de la perruque. Et là vous voyez je suis en train de passer le peigne chauffant afin de mettre les cheveux en arrière pour mieux pouvoir coller par la suite. Ok les gars, ouh. J'ai changé de décor because oh my god. Voilà, c'est parfait. Donc là vous allez bien voir ce que je... Là je suis contente. Là je suis contente. Ok. Ok, donc les gars, là j'ai réussi à tout mettre en arrière. Alors la prochaine étape ça va encore être de couper. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper aux oreilles. Donc j'ai peur. J'ai peur parce que ça c'est toujours le truc que je gère pas du tout dans les perruques. Soit je coupe trop, soit je coupe pas assez et je colle pas. Je pense que ça c'est l'étape la plus importante pour savoir si ta perruque elle va être bien ou si elle va pas être bien, tu vois. Et là je t'avoue que ça me fait peur parce que déjà j'ai pas de miroir devant moi. Alors je vais utiliser les pinces comme ça là pour ce que je fais. Donc là les gars vraiment genre je peux pas filmer en même temps parce que j'ai pas de miroir en face de moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir une fois que je l'aurai fait. 2 seconds later. Bon les gars, il y avait franchement rien de plus simple. Ce que j'ai fait c'est juste que j'ai coupé un peu à ma façon quoi. Ok, là on arrive à ma partie préférée, c'est la partie où je vais coller. Bon c'est pas ma partie préférée en termes de pratique mais en termes de résultats, j'ai trop hâte de voir, je vous jure. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes cheveux en arrière. Donc tout, enfin mes cheveux. Yes, that's my hair.
Ça a capté quoi, la perruque quoi. Alors du coup là pour la colle, comme d'habitude j'utilise la Got2B avec un sèche-cheveux. Ok, je vais coller ce côté en premier. Alors là c'est pareil, il y en a qui en fait ils collent directement la lace et après bah c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, je colle la lace et après je coupe, c'est ça. Ok, j'ai l'impression que c'est déjà... comment on dit? Oh my god, I'm stressed. Je mets la wig comme ça. Hop, et je brosse comme ça. C'est ça l'objectif, c'est de brosser. Comme ça, comme les professionnels ils font. On brosse, on sèche. Genre là, vous voyez comment c'est naturel. Bon, alors... ça fait naturel, mais je ne comprends pas parce que on voit trop la démarcation du bonnet avec la peau. Vous voyez ou pas? Alors, je pense que c'est que j'ai pas assez avancé la perruque. Hein. Ça se trouve, c'est que j'ai pas assez coupé le bonnet, je sais pas. Mais on verra bien. Bon, je vais coller le reste et on se revoit. Et après, on va couper la lace. C'est que je crois que c'est tout. 6.5 hours later. Bon, là, les gars, je me dois de vous montrer la vérité. La vérité, c'est que je suis en craquage mental depuis tout à l'heure. Je suis là, je fais des stories à l'aide et tout. Là, oh my god, you can see my bra. Sorry. Il y a des moments comme ça où vraiment, vous me voyez jamais comme ça sur ma chaîne. Non. Mais il y a des moments où je suis énervée. Mais pour rien. Mais enfin, vous savez que quand tu essaies de faire une coiffure et que tu n'y arrives pas. En fait, toute ma vie, c'est ça. Je vous explique. Moi, je suis une meuf. Je suis très, très, très maladroite. Je pense que ceux qui regardent mes vidéos, souvent, vous l'avez compris. Genre, je suis maladroite. Et tout ce que je veux entreprendre ne se passe jamais comme prévu. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai essayé de coller ma perruque. Mais vous voyez, ça fait des plis comme ça. Je peux pas supporter. Il y a des plis comme ça sur la perruque. Enfin, c'est pas que censé être comme ça. C'est que je l'ai pas bien, bien, bien aplati comme ça, tu vois. Bref, du coup, faut que je recommence un petit peu tout là. Mais là, je crois que je vais aller manger. J'ai besoin de me ressourcer, tu vois. J'ai besoin d'un nouveau truc qui fait que... ça y est, c'est un nouveau départ. Je peux pas recommencer là maintenant. Non, ça va mieux. J'ai pensé à abandonner. Je me suis dit, non, au pire, je remets ça à demain, après-demain. Mais vraiment, je vais grave pas abandonner. Parce que j'ai pas envie de me coucher et de me dire ce que je devais faire aujourd'hui, je l'ai même pas fait, tu vois. Alors que je suis à deux doigts de réussir, en fait. Il faut juste que je décolle, que je recoupe bien. Je vous retrouve quand tout est prêt et quand je suis prête. Vous voyez, là, je me suis préparé des petits extras. Pain au lait à la confiture de Reine Claude. Donc, c'est des Mirabelles. Au cas où je craque. Ok, donc là, je me suis fait un petit setup. Donc là, vous voyez, les accessoires. Là, il y a encore des accessoires. Là, y aller au cas où je craque, mais je crois que je vais craquer même avant même que je craque par rapport à ma perruque. Là, il y a mon sèche-cheveux, là, il y a un petit miroir, et là, il y a le miroir juste ici. Donc là, j'ai tous les éléments pour réussir, ok, les gars. One eternity later. Donc là, guys, faut savoir que j'ai recommencé. Une deuxième fois. Vous voyez ou pas, il y a les plis encore. Je sais pas si ça va se voir après, mais bon, je suis plus à ça près. Là, je suis en train de brosser pour que ça fasse plus naturel, là, parce que vous voyez, ça fait trop plaqué. But anyways, donc là, ce que je vais venir faire, les gars, c'est que je vais venir... je vais plaquer en arrière et pendant ce temps, je vais lisser les cheveux. Guys, ok, donc là, mon peigne chauffant est encore en train de chauffer parce que je vais faire l'arrêt, du coup. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour make-up l'arrêt. Là, c'est assez plat, donc pour en rajouter, je vais mettre de la Got2B. Là, je prends mon peigne comme ça, là, plaqué. Je mets de la Got2B légèrement, bon après légèrement, hein. Pas trop légèrement non plus, comme ça. Et comme ça, ça aplatit bien. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec le sèche-cheveux, c'est pareil, genre vous mettez de la Got2B, vous aplatissez. Enfin bref, voilà. Du coup là, hop, j'enlève ça tout de suite. Comme vous voyez, mon maquillage, il a pris cher hein, parce que j'ai tellement pris de temps à faire ça. Tentative de baby hair. Donc vous voyez, c'est trop beau. C'est l'effet que j'aime trop. Genre quand ça remonte comme ça, j'aime trop. Mais voilà, j'ai mis trop de Got2B, trop de matière. J'ai essayé trop de fois de coller. Du coup, ça se voit. Mais je suis contente quand même parce que c'est pas mal. Là, ce que je vais venir faire, c'est couper enfin cette fucking lace. Ok, I just finished. Donc là, les gars... là, il y a des endroits que j'ai très mal coupé, des endroits qu'il faudrait recoller. Mais voilà, en vrai, il faut une première fois à tout. Là, c'est la première fois que j'essaye, donc c'est normal qu'on en arrive à ce résultat-là. Restons positifs quand même, parce que c'est vrai que je suis contente, au moins, j'ai pas abandonné. Du coup, voilà, je sais pas si je vais faire des photos, je sais pas ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que tu dois t'abonner à ma chaîne pour savoir la suite. Abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, et c'est avec plaisir que je te retrouve dans la prochaine vidéo. Va me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Enfin bref quoi, malgré tout ce fut un plaisir de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si t'as des petits conseils. Combien sur 10 en vrai pour une première fois? Combien sur 10? Genre vraiment dites-moi la vérité s'il vous plaît. Bref, sur ce les babes, je vous fais de gros bisous.